de dernier homme. Et là, il va avoir beaucoup de travail à faire contre cette équipe de Space Station. Allez, c'est parti. En tout cas, le premier BO5 pour les champions nord-américains. Et ça démarre très très fort. Il n'y aura pas but, mais une belle transversale. Première frappe, premier danger là sur la cage des Version 1. Et attention, c'est peut-être pas terminé. Avec Cipicol qui va essayer de partir, il est bloqué. Jimmy qui repart encore. Arsenal dans le corner, un petit peu en difficulté. Oh, attention à cette frappe croisée, c'est tranquillement pour Etols. Attention, il va pouvoir la dégager. On avait Gimmick qui s'est fait un petit peu surprendre par le dégagement du défenseur de Space Station. Attention, c'est Cipicol qui va laisser la balle à son coéquipier. L'intervention ne sera pas cadrée, comme qui va aller chercher une bonne démolition sur Arsenal. Le très bon bump qui s'ensuit. Gimmick qui a du champ, il va se faire contrer dans les airs. Et il va falloir mettre de la pression sur ce ballon, mais c'est Cipicol qui sera le premier. Bien contré par Torment. Arsenal à la réception, le bon flic pour gagner beaucoup d'espace. Et sur le backboard, comme qui doit intervenir. Attention, Harry Tolls qui était déjà présent pour venir capitaliser sur la relance. Arsenal qui va la mettre sur le backboard, se dégager tranquillement par Gimmick. Cipicol à la réception, le vis-à-vis est intéressant. Attention, comme qui vient remporter un bon duel. Arsenal, il a beaucoup de champ pour aller trouver son coéquipier, mais c'est parfaitement défendu. Ritols qui ne pourra rien faire de ce ballon, ça sera dégagé par Com. Ouais, toujours 0 à 0 pour le moment, mais les Space Station qui mettent pas mal la main sur le ballon. Il va falloir être prudent. Et les Version 1, là, on sent déjà qu'ils vont peut-être placer leur jeu un petit peu plus sur des contre-attaques, hein, puisque les Space Station, on le sait, c'est une équipe qui met beaucoup de pression. Allez, Arsenal qui renvoie cette balle. Ritols qui est parti aussi. Arsenal ne peut pas retoucher. C'est Com qui va pouvoir profiter de ce ballon. Il n'a pas beaucoup de boost. Tout le monde se bombe. C'est un petit peu confus pour le moment. Et c'est finalement les Space Station qui vont réussir à ressortir cette balle avec Ritols. Peut-être en deux temps. La double tap dans le corner. C'est repoussé par Gimmick. Arsenal qui décide de partir le long du mur. C'est bien fait. Il a pris l'avantage sur le premier joueur. La frappe derrière d'Arsenal, c'est dévié. Ouais, Gimmick là qui ne peut pas intervenir sur le backboard. Attention, on laisse beaucoup de champ, on va pouvoir retourner sur ce ballon. Oh, Ritols, il avait énormément d'espace. L'intervention défensive des Version 1 s'est fait attendre. Et Space Station en a profité ici avec Ritols qui vient loger cette balle dans le petit filet. Les Space Station ouvrent le score. C'est pas celui qu'on attendait le plus, Ritols, sur cette action. Et puis finalement, au début, il a pris son temps, il a pas voulu prendre de risque. Et il a vu l'opportunité d'aller chercher l'ouverture du score. Il n'a pas hésité une seule seconde et ça fait 1-0 pour les Space Station qui confirment, j'ai envie de dire, ce bon début de match. Hein. Depuis le début, c'est eux qui ont la possession du ballon, qui se sont procurés les actions les plus dangereuses. Mais attention, il reste encore 2 minutes 50 et les Version 1, on le sait qu'ils en ont des ressources aussi. Allez, Gimmick peut-être pour essayer de renverser le jeu complètement de l'autre côté. Et pour le moment, il n'a pas de coéquipier, hein, comme qui arrive un petit peu en retard, même s'il va sortir victorieux de ce duel. Il part dans les airs, lui a dribble peut-être, le reset. Attention à Ritols qui est dernier mais qui s'en sort. Allez, ben, attention, remettre cette balle dans l'axe, c'est dangereux, Gimmick. Qui vient perdre son challenge, c'est largement remporté par Arsenal. Ritols c'est la réception, mais Torment peut dégager ce ballon loin devant. En deux temps, ouais, il vient gagner son vis-à-vis face à Arsenal. L'intervention sur le backboard. Cette fois, c'est Cipicol qui ressort avec la possession du ballon. Attention à cette remise dans l'axe, c'est bien bloqué. L'intervention de Gimmick qui ne donnera rien comme pour mettre du danger sur le backboard. Ouais, on a Gimmick encore une fois dans le point de corner. On essaye de travailler sur cette défense des Space Station du côté des Version 1. Ça revient devant les buts. On n'a aucun joueur bleu. On a choisi la sécurité du côté des Version 1. Alors que ce sur le poteau, Cipicol se voit offrir la meilleure des passes. Les Space Station qui font le break sur un magnifique Cuxer pinch. Ah ouais, ce pinch de Ritols là et Torment qui se fait un petit peu surprendre par le rebond. On est sur un rebond poteau. On sait pas trop. Ça peut prendre plusieurs directions. Et derrière, les Space Station vont aller chercher le but du break. 2 à 0, 2 minutes. Et c'est vraiment cruel pour les Version 1 parce qu'on commençait à avoir une petite phase de pression. Allez, peut-être ici avec Com. La frappe de Gimmick derrière, c'est juste devant le but. On te jette. Hein, et c'est Arsenal qui a réussi à dévier ce ballon. Ritols qui va repartir. Il est bloqué dans un premier temps. Il peut compter sur Cipicol qui vient le suppléer, même si ce ballon est rendu au Version 1. Arsenal qui est parti dans les airs. Il est battu par Torment. C'est peut-être maintenant qu'il faut aller jouer quelque chose. Et voilà, les Version 1, ils se sont retrouvés quasiment en 3v1. Ouais, la bonne contre-attaque hein, de Version 1. Déjà, le petit outspeed de Torment l'assure. Et quel redirect de Com pour aller trouver Gimmick. On vient battre le dernier défenseur des Version 1 qui n'ont clairement pas dit leur dernier mot dans cette première game. Un petit peu moins de 2 minutes de temps réglementaire restant pour recoller au score du côté des Version 1. On va peut-être repartir avec Gimmick, mais c'est bien pris par Cipicol. Il va pousser ce ballon. Ouais, c'est bien bloqué par Torment. Attention à Ritols qui va chercher une très bonne démolition. Com, le petit mind game. Le ballon qui drop devant la surface de réparation. Arsenal qui va pouvoir mettre du danger. C'est bien bloqué par Torment. Kimmich il va se charger de dégager cette balle, mais c'est repris par Ritols comme qui se fait malmener sur le backboard. Ça va drop pour Cipicol. Le petit tir pour aller trouver Ritols, mais malheureusement l'intervention de l'attaquant Space Station n'est pas cadrée.
C'est dommage, hein. Il y avait moyen de se mettre à l'abri encore du côté des Space Station, puisque avec le but tout à l'heure des Version 1, eh ben, il n'y a plus qu'un tout petit but d'écart entre les deux compositions, et il reste encore une minute. Ah, Rictol, est-ce qu'il va pousser? Est-ce qu'il peut rejouer encore? Gimmick, c'était raté, là, en plus, sur son backboard clear. Mais pour le moment, ça ne profite pas aux Space Station, même s'ils arrivent hein, tout, encore une fois à monopoliser le ballon. Attention à Rictol qui se fait surprendre, Gimmick qui était parti derrière, les Version 1 qui vont essayer d'accélérer, mais comme qu'il pousse ce ballon, c'est repoussé par Rictol. Arsenal qui essaie de partir, il est contré. Ouais, comme à la réception, attention, il a beaucoup de champ dans les airs. La tentative de flip reset, mais c'est bien interrompu par CP Call. Gimmick à la réception du ballon qui va essayer d'aller pousser pour la mettre sur le back dans Rictol, la bonne intervention. Torment qui va lever cette balle, est-ce qu'on aura quelqu'un? Ce sera Arsenal, le premier dans les airs pour défendre. Attention à Com qui vient gagner un vis-à-vis face à deux joueurs, c'est Pico, l'an dernier homme qui doit intervenir. Torment qui a beaucoup de champ, il va choisir de contrôler ce ballon, le petit man game, mais ça ne passera pas. Arsenal qui était bien vigilant dans sa prise de duel. Rituals qui fait un très bon travail offensif, attention à Com. Ok, le petit saut pour garder le contrôle du ballon. Du côté des Version 1, Arsenal sera plus rapide. Attention, petit peu trop avancé là du côté des Version 1. Et Rituals qui vient redonner le break au Space Station. 7 secondes, je pense qu'ils vont aller chercher le premier point, Fury. Il vient conclure le match, effectivement. Je le pense aussi, 7 secondes, 2 buts. Voilà, moins de 2 kick-off goals sortis de nulle part. Ça va être très compliqué pour les Version 1. Ils ont produit des choses pas mal, mais j'ai l'impression que les Space Station, ils jouent au ralenti, quoi. Ils ont même pas sorti encore la carte tryhard dans ce match. Ils sont plutôt faciles, ils ont eu des occasions, ils ont monopolisé le ballon. Les Version 1, ils ont réussi à mettre une bonne phase de pression après par moment. Hein. Après, il y a eu cette petite contre-attaque bien jouée en 3v1 qui leur a permis d'aller chercher le but, qui a peut-être semé un petit peu quelques doutes, j'ai envie, dans l'esprit des Space Station, qui derrière ont été un peu plus fébriles, j'ai trouvé. Mais bon, j'irais pas dire inquiété non plus. Non, clairement pas. Hein. Du côté des Space Station, on s'est fait surprendre une fois sur une petite relance. La Torment qui a mis une petite accélération pour venir prendre un challenge dans les airs. Par contre, on a directement mis les points sur les i et les barres sur les t du côté des Space Station dans cette game avec ce superbe là Kuxir Pinch. Et encore, ils avaient failli mettre un but là juste après le premier engagement, mais c'est pas fini au fond. On a eu quelques réponses du côté des Version 1, mais pour l'instant, du moins le score de ce BO reflète pas mal les pronostics. Oui, c'est ça, hein. Les pronostics, on le rappelle, hein, une victoire normalement assez facilement des Space Station. Maintenant, on va voir les Version 1, je les ai trouvés assez craintifs quand on joue une équipe comme Space Station. Certes, le palmarès est énorme, 2 victoires pendant le split dernier, mais il faut les surprendre, cette équipe des Space Station. Il faut tenter des choses. Alors, il faut trouver le juste milieu, parce que des fois, on a envie d'aller très vite pour surprendre, mais du coup, on va trop vite et on commence à rater. Et là, on s'expose à beaucoup de buts. Je pense qu'ils peuvent tenter quelques petits moves un petit peu plus greedy de temps en temps. Il va falloir faire quelque chose de différent du côté des Version 1, sinon ce sera une victoire des Space Station. Oh, attention, là, il y avait Com qui avait commencé un très bon travail, mais qui mit à la finition. Et cette fois, on vient commencer cette game numéro 2. Sous de meilleurs auspices là du côté des Version 1 Gimmick qui vient parfaitement conclure le travail entamé par Com. Ah, c'est super Gimmick, hein. Il aurait pu repartir, opter pour une solution plus défensive. Il voit ce ballon qui traîne un petit peu dans la surface des Space Station et il va tout simplement aller le pousser au fond des filets. Donc c'est très très bien fait. Les Version 1 qui commence bien mieux dans ce match. Allez, Torment encore, qui remet sur le backboard avec Rituals pour le moment, sans problème, qui va pouvoir continuer la conduite de balle aérienne. Et là, il vient connecter avec CP Call, qui ne trompera pas Gimmick, hein, très serein, qui replonge quand même dans l'axe. Il faut faire attention ici. Pour le moment, c'est géré. Cette balle est toujours au corner. CP Call qui avait raté sa première touche, mais c'est servi derrière pour Rituals. La belle intervention de Torment. Comme qui ne peut pas intervenir sur ce ballon. Attention à la relance un petit peu hésitante d'Arsenal. On va pouvoir se repositionner défensivement avec CP Call, ou le très bon flic pour venir passer au-dessus du Torment. Attention à cette balle qui est remise dans l'axe. Arsenal qui va essayer d'aller trouver un coéquipier positionné devant. Ce sera directement rendu à la défense des Version 1. Oh, Arsenal qui met du danger, mais c'est directement open. On n'a personne du côté des Version 1 pour venir parer ce très bon tir d'Arsenal. On s'est jeté à deux. Et là, Space Station en a profité. Attention, les erreurs sont punies. Ça, c'est la spéciale des Space Station. Hein. Cette équipe, elle a la chance d'avoir 3 joueurs qui ont une qualité de frappe exceptionnelle. Et c'est très souvent hein, qu'on voit des buts des Space Station comme ça, depuis les murs, dans des angles un petit peu fermés.
Et ça vient surprendre une rotation défensive déjà un petit peu usée là du côté des Version 1. Un partout, les champions nord-américains du dernier Major qui reviennent tranquillement dans ce match et qui vont continuer à pousser pour aller chercher très certainement la victoire et s'offrir 3 balles de match. Rytols le tire. Et voilà, j'en parlais il y a quelques instants de cette qualité de tir. Ça ne fera pas nouveau. Ouais, gimmick là qui n'est pas dans le bon sens, Torment. La relance est un petit peu molle et Rytols s'en profite. Ah, 100 km/h. C'est fort, hein. tu comprends pas, ouais, qu'il arrive aussi fort sur le ballon. Bah, sans dash en plus, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Il la touche juste avec le capot de son Octane et ça suffit pour venir mettre autant de puissance et venir transpercer cette défense des Space Station. Encore une fois, devant le but du Arsenal pour trouver un coéquipier, mais c'est trop loin, c'est dégagé loin devant par Gimmick. C'est Pico là, la réception, le très bon travail dans le point de corner, on va pouvoir dégager. Ouais, excuse-moi Razor, j'étais obligé de redémarrer mon micro qui avait quelques petits soucis, mais je suis de retour pour commenter la suite de ce match. Normalement tout est bon. Allez Arsenal, la transition, c'est bien fait avec Rytols qui attendait de l'autre côté du terrain. Rytols qui pousse, Arsenal un petit peu trop court là, il va se faire surprendre, mais c'est toujours les Space Station qui arrivent à avoir le contrôle du ballon. Est-ce que Rytols peut faire quelque chose encore? Il essaie de renvoyer cette balle de l'autre côté. Sipicol, la passe dans l'axe, on l'a vu pour Arsenal, mais la défense est un bon. Ouais, attention, Arsenal qui va pouvoir dégager encore une fois ce ballon. C'est bien prolongé. Picol, il la contrôle dans son point de corner. Ok, pourquoi pas, on vient remporter un challenge intéressant. Le man game pour laisser Arsenal avec la possession de balle. On va pouvoir pousser. Le petit flip pour aller trouver Rytols de l'autre côté. Et malheureusement, la passe en profondeur qui sera un petit peu trop loin. Gimmick qui va parvenir à dégager ce ballon. C'est Picol pour la remettre loin devant. Comme, attention, on s'est jeté à deux. On gagne pas mal d'espace quand même sur ce dégagement. Du côté des Version 1, Rytols à la manœuvre là sur le mur, le petit contrôle, ok, le challenge qui est remporté par l'attaquant des Space Station. Attention Arsenal, le contre qui met ce ballon dans l'axe, c'est bien défendu par Com. Rytols face à deux joueurs, Sipicol qui va contrôler ce ballon, il va la pousser dans le point de corner. Sipicol à la manœuvre dans les airs, le petit air drag, mais il se fait bump. Ouais, dommage cette frappe derrière, un petit peu écrasée. La transition était belle et toujours 2-1. Un but d'écart seulement pour les Space Station qui dominent hein, clairement ces matchs-là, mais qui ont toujours du mal à se mettre à l'abri. Tout à l'heure aussi, il y a eu 2-1 pendant un bon petit moment. Et attention, parce que sur une contre-attaque, ça peut aller très vite. Et Com qui se retrouve tout seul dans la défense et qui va très bien négocier ce ballon. Est-ce qu'il peut y aller, Com? Oh, le bon retour de Com, mais ça va retomber juste devant. Oh, le travail, voilà. On le disait, ils peuvent se faire surprendre sur une contre-attaque. Et là, voilà. Oh là là, quel contre de Com, il vient récupérer son flic sur le ceiling, ça fait le meilleur des services à son coéquipier et la démolition, je crois même que c'est un own goal, hein. C'est le défenseur de Space Station qui vient pousser cette balle au fond. Parce que c'est Com qui a le but. Ouais. C'est ça, après avoir obtenu la démolition sur l'attaquant des Version 1, on revient à égalité entre les deux compositions, 1 minute 43 restante dans cette game numéro 2, les Space Station qui malgré leur domination, là, comme tu le disais, semblent un petit peu fébriles quand même sur le terrain. Oh, attention à ce rebond là qui avait surpris toute la défense. Oh, quelle parole. Oh, c'est Picole qui a eu le temps de revenir. Alors que ce ballon, j'ai l'impression qu'il avait complètement franchi la ligne. Mais non, il devait rester un pixel dehors. Et ça permet au Space Station de ne pas s'être redonné à une minute de la fin. Attention, l'égalisation dans un premier temps. Ici, cette tentative de frappe qui aurait bien pu donner le troisième but au Version 1. Les Space Station, il faut pas se reposer. Il va falloir jouer fort. Il y a de la motivation côté bleu. Ouais, Rytols qui va tenter d'aller pousser cette balle au fond, mais c'est bien défendu par Com dans les airs. Torment, attention sur la ligne de but. Arsenal qui va passer à côté de son ballon. Torment, il s'est fait gêner. C'est Picol pour la passe back. Allez trouver Rytols. On change de sens du jeu. Arsenal, la très bonne frappe, mais c'est parfaitement arrêté par Gimmick. Solide sur sa ligne. Attention à la prolongation un petit peu hésitante là de Version 1. La relance qui manque d'intensité. Torment est obligé d'intervenir, mais cette balle est rendue à Rytols. Torment, encore une fois, attention, là on a Arsenal qui va lever cette balle. Le airdrag qui viendra passer au-dessus de Gimmick. Mais Com sera bien vigilant. Le très bon man game, ça ne passera pas de Sipicol. Attention, cette balle qui va drop devant les cages. Ok, Rytols, il va changer son jeu. Ouais, Arsenal, elle est bien cette passe. La pensée Picole qui est partie en double tap. Il a touché ce ballon. Bon, je pense qu'il est surpris hein, de le voir revenir sur lui. Il pensait que ça allait être défendu directement sur le backboard. Et 15 secondes restantes, toujours 2 partout entre ces deux compositions qui se neutralisent. Arsenal, il ne pourra pas suivre. Oh, Torment, il s'est raté. Ça pourrait créer le feu là dans la défense bleue des Version 1. Pour le moment, on arrive à s'en sortir avec ce très bon travail individuel de Com. Le petit backflip de Sipicol qui arrive quand même à emmener ce ballon dans le corner. Qui va essayer de pousser pour ses coéquipiers. De l'autre côté du terrain, il y aura Rytols. Est-ce qu'il peut frapper? Pour le
moment, c'est Com qui intervient. Gimmick qui va relancer. Et on va aller peut-être plaquer ce ballon. Décidément pas. Ce mal qui remet pour Cipicol avec Ritos qui est parti de l'autre côté. La balle est toujours en vie. Ça fait un bon moment. Oh, oh, ça touche le sol. L'overtime. Voilà, on a transpiré jusqu'à la fin du côté des Verschelouan. On est finalement parti pour cette phase de prolongation. Attention à ce ballon haut dans les airs. Arsenal qui va pouvoir peut-être centrer. C'est Cipicol qui essaie de mettre du danger. Oh, on n'est pas passé loin du bump. Belle réaction là de Com, belle vigilance, très bon sang-froid de la part du défenseur des Verschelouan. Le petit flic pour gagner de l'espace, on va finalement s'emparer du booster. Ritos qui la remet dans l'axe, c'est bien dégagé par Gimmick. Attention à Com qui a du boost, il sera le premier dans les airs. La balle qui va drop au centre, prolongée par Gimmick sur le backboard. L'intervention de Cipicol pour pousser sur le côté droit, il sera secondé par Ritos. Et ce ballon qui flotte un petit peu pour le moment, Gimmick sera le premier. Il l'envoie dans le corner adverse et à la réception, il y avait Arsenal qui est venu défendre cette balle. Mais pour le moment, ça continue. Côté Verschelouan, on arrive à mettre de la pression. Et cette balle qui venait replonger devant la cage orange des Space Station, Cipicol dans les airs. Attention, il faut absolument se placer en contre la face à Tormund. C'est bien fait, comme qui va renvoyer à son tour. Et ils n'arrivent pas à connecter hein, devant cette cage orange. Ils mettent de la pression, ils avaient le ballon, mais finalement, ça va repartir de l'autre côté avec Arsenal. La conduite de balle et Gimmick qui se rate un petit peu. Est-ce qu'il peut s'en sortir quand même? Oui, pour le moment. Ouais, la réception, elle était compliquée hein, du côté de Gimmick là, dans ce petit point de corner. Attention à cette remise de Tormund. Ritos à la réception, on va choisir de contrôler ce ballon. Finalement, on trouve un coéquipier. Le petit jeu fermé de Space Station qui n'est pas passé loin du cadre. Arsenal pour le petit flip. Ok, ça a été bien défendu par Verschelouan. Tormund, attention, on remet cette balle directement sur Cipicol. On n'arrive pas à gagner de l'espace. Peut-être ici avec Com, le très bon challenge. Gimmick, attention, Arsenal qui a toujours la possession du ballon. Le petit crochet. On repart de l'autre côté du terrain. Le bon man game de Ritos qui va pousser cette balle au milieu du terrain, mais on n'aura personne. Ça sera dégagé loin devant par Tormund. Et attention parce que cet overtime il est un petit peu à l'image du temps réglementaire hein. C'est-à-dire qu'on a des Space Station qui une fois de plus ont la possession du ballon, arrivent à se procurer des occasions, mais n'arrivent pas à aller chercher ce but qui là ferait bien plus que les mettre à l'abri hein. Leur permettrait d'aller chercher 3 balles de match. Attention, Gimmick il est parti, est-ce qu'il a eu le reset? Non, pas pour le moment. C'est Cipicol qui s'élance depuis le mur, c'est bien fait avec la relance dans l'axe. Arsenal la frappe dans une double tap, il va retoucher encore Arsenal. Oh, et ça ne passe pas hein. Il me semble que Tormund a bien gêné. Oh là, attention, il avait beaucoup d'espace et la frappe pour Tormund qui vient de tout son long bloquer l'intervention de Space Station. Gimmick pour pousser sur le côté gauche. Attention à cette balle au premier poteau. C'est bien défendu et écarté par Com. Cipicol qui a du champ dans les airs. Oh, le petit fake. Cipicol, il a du champ. Attention, Tormund qui va pouvoir dégager ce ballon loin devant. Arsenal, on va renverser le sens du jeu pour aller trouver un coéquipier. Le backboard, cette balle qui est rapide. Com qui intervient. Belle intervention de la part de Verschelouan pour gêner la contre-attaque. Tormund qui va pousser ce ballon en deux temps. Il va passer à côté, attention. Com qui sera le premier, il vient gagner son vis-à-vis face à Cipicol. Arsenal qui va pouvoir intervenir là sans grande difficulté sur ce ballon. C'est bien prolongé par Ritos. Oh, le très bon bump. Arsenal, il ne peut pas intervenir sur cette balle. Et on va s'en sortir du côté des Verschelouan. Et attention parce que là, Arsenal, il était vraiment bien parti. Oh, Cipicol qui arrive à faire la parade ici, aidé du poteau, mais c'était compliqué. Et on est toujours pareil, hein, les Verschelouan, c'est une contre-attaque à nouveau. Hein. Ils n'ont pas mis une phase de pression de tout cet overtime. C'est 3 minutes d'overtime, on les a pas vus mettre une phase de siège. Et pourtant, il y a quelques instants, ils ont bien failli aller chercher le second point de ce BO. Attention, Tormund qui va repousser le long du mur. Il a récupéré un boost, non, il ne l'a pas obtenu malheureusement. Gimmick qui va contrôler, il y a un petit peu d'espace, il a passé un premier joueur. Oh, attention, Cipicol qui revient une fois de plus. Il était le dernier homme là à pouvoir sortir ce ballon. Arsenal qui ne passe pas face à Gimmick, c'est bien fait. Il a du boost, il a de la ressource, il va pouvoir essayer de travailler là pour aller servir ses coéquipiers. Pour le moment, c'est bloqué par Cipicol. Cette balle dans le corner à nouveau, comme qui vient retoucher. Et Cipicol qui devrait pouvoir dégager, donner peut-être un petit peu d'air au Space Station. Ouais, mais c'est directement bloqué par Gimmick. Heureusement qu'on a Ritos pour qui va gagner beaucoup d'espace sur le dégagement. Allez, Com qui prend son temps, il attend le rebond pour aller trouver Gimmick, le petit crochet pour venir effacer un premier défenseur. Cipicol dans le point de corner face à Gimmick, ce sera finalement Ritos qui va y aller. Attention à cette balle qui est centrée, Com qui choisit de ne pas y aller. Malheureusement, ça offre du champ à Arsenal. On se met en position de contre, cette balle qui est toujours dans la moitié de terrain bleu. Tormund qui passe à côté, Cipicol pour aller trouver Arsenal. Oh, attention au petit jeu collectif là de Space Station, mais c'est toujours pas cadré. Il n'arrive plus à cadrer les Space Station. Et attention à ne pas s'en mordre les doigts à la fin de ce match, de toutes ces occasions. On arrive presque à 5 minutes hein, d'overtime.
de match pour le prix d'un, les amis. Allez, est-ce que ça va continuer sur le côté? Oui, Arsenal, ça va être compliqué ce duel. Pour le moment, ça renvoie la balle avec Torment, la démolition. Oui, là, il me semble que deux joueurs, oui, des version 1 sont partis, comme et Gimmick. Et du coup, ben, derrière, on n'a pas réussi à maintenir la pression. Peut-être ici avec Com, le contrôle de Cipicol. Est-ce qu'il peut s'élancer le long du mur? Il est gêné par Torment qui vient mettre une bonne pression, qui va continuer. La passe en retrait, peut-être. Arsenal a eu le temps d'intervenir. Il va même pouvoir prolonger ce ballon en deux temps, mais c'est bien bloqué par Com. Est-ce qu'on aura un joueur d'Everton à la réception? Ouais, c'est Torment qui va essayer d'aller la mettre sur le ballon. Torment, là dans le top. Oh, c'est juste sur le poteau. Les Everton One qui sont passés si près de venir égaliser dans le BO. Cipicol qui va repousser cette balle. On va s'offrir un petit peu d'air du côté des Space Station. Parce qu'à mon avis, le souffle s'est fait court sur la bonne action d'Everton One. Là, le backboard qui n'est encore une fois pas défendu. Attention, Aritoz qui passe à côté du ballon. Cipicol qui remporte son challenge, mais il n'a pas beaucoup de boost. Il a sauté. Encore une fois, mais comme très bon sang-froid qui vient effacer deux joueurs. Derrière, hein. Il s'est fait bump. Torment qui va la mettre sur le backboard. Est-ce qu'on aura un joueur bleu? Gimmick pourra ajuster sa frappe. Mais c'est compliqué, c'est défendu sur le backboard par Cipicol. Ouais, le bump était bien tenté. Mais ça tient toujours d'un côté de l'autre. Attention à Gimmick! Oh, Gimmick qui vient donner la victoire au Version 1 après plus de 5 minutes d'overtime avec cette sublime double tap transversale rentrante. Les Version 1 viennent chercher ce point face à des Space Station qui, je pense, Razor, peuvent avoir des regrets. Ah mais là, c'était tremblant hein, dans les dernières minutes, hein, Space Station. On a eu un nombre d'opportunités du côté des deux équipes. On voyait plutôt, depuis le début du BO, les Space Station s'imposer sur le terrain. Là, durant cet overtime, c'était absolument pas le cas. Les Version 1, ils étaient très solides en défense et offensivement, ils étaient très présents. On a eu déjà une belle opportunité qui n'a pas fini loin. Hein. On pense à cette balle qui scintillait à 99,9%, mais qui a été sauvée de justesse par Cipicol. Ici, on le voit là. C'est incroyable. Quel arrêt. Mais alors c'est marrant parce que cet overtime, bon déjà il a été très long, hein, puisque c'était une partie complète de Rocket League. Mais en fait il y a une première partie où les Space Station ont continué à mettre cette bonne pression, la même depuis le début de cette série, avec beaucoup d'occasions. Et tiens, pas forcément cadré, hein. Des fois des beaux arrêts, mais aussi des tirs pas forcément cadrés. Et puis j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que ces tentatives échouaient devant la cage adverse, ils ont commencé à nouveau à douter. Et c'est là que les Berchenois ont repris du poil de la bête et ont commencé à mettre ces phases de pression, à se procurer eux aussi de véritables occasions jusqu'à ce but libérateur de Gimmick. Et là, il va falloir se redonner confiance là du côté de Space Station avec Rituals. Ici peut-être pour remettre du danger. Et bah voilà, la confiance elle est là. Et voilà, Space Station qui redémarre sur des chapeaux de roue. Rituals qui vient parfaitement servir Arsenal. Ouais, quelle passe ici. En pinch, second poteau avec Arsenal à la réception dans le bon timing. Et ça fait 1-0 pour des Space Station qui doivent se rassurer. Pour ceux qui arrivent en cours de route, qui ne connaissent pas forcément la scène nord-américaine, les Space Station sont plus que les favoris tenant en titre du Major nord-américain. Première équipe nord-américaine en termes de seeding. Ouais, qui apparemment un quatrième joueur du nom du poteau. Ouais, incroyable. Ils se sont fait sauver par le montant. Là, les Space Station, encore une fois, l'arrêt in extremis de la défense. Arsenal qui a beaucoup de chance. Oh, il va pousser cette balle. Le Torment, là, quelle parade, la petite claquette pour venir pousser cette double tap qui ne rentrera pas du côté de Space Station. Rituals qui a beaucoup de chance. Le très bon bad game. On a essayé de pousser cette balle au premier poteau. Comme aura le temps de revenir. Il faut partir en contre-attaque là, du côté des Version 1. Mais c'est compliqué. Gimmick qui passe à côté du ballon. Cipicol. Au vis-à-vis, face à Torment, Gimmick qui va pousser cette balle sur le mur, ce sera bien dégagé loin devant par Com. Allez, Rituals qui renvoie une balle, et de l'autre côté, ça peut connecter avec Cipicol. C'était très très fort là pour le joueur des Space Station, qui a tenté, mais qui n'a pas réussi malheureusement à rabattre ce ballon. Rituals, il laisse Arsenal attaquer cette balle. Est-ce qu'il peut continuer? Arsenal, il a réussi à remporter un second duel, mais derrière, c'est Gimmick qui attend. Pas inquiété pour le moment, ça y est, on est venu lui mettre un petit peu de pression, mais il a réussi à sortir ce ballon. Attention à Com qui va frapper. Et Cipicol qui passe devant son but, Arsenal encore. Cipicol sur le backboard, il peut repousser, on se jette à deux là, c'est un petit peu confus côté Space Station. Ouais, attention, on a vu Rituals qui défendait en marche arrière. Visiblement, la marche avant c'est trop facile. Il a pu quand même bien dégager son équipe, c'est Arsenal qui va prolonger loin devant. Torment pour remettre cette balle dans la moitié terrain orange. On a Com à la manœuvre cette fois.
Attention à la touche un petit peu hasardeuse de Rito, Arsenal qui n'est pas dans une bonne position. Gimmick qui pourra retoucher cette balle, ça va centrer directement sur Cipico. Oh là, alors qu'on l'a vu en bas à droite de votre écran, là on a une rule number one, ce n'est plus un 3v3 mais bien un 2v2. Et on n'est pas passé loin de venir le remporter du côté de Space Station. Allez, Ritholz qui a récupéré un bum pour le moment. Oh, incroyable, incroyable. Mais là, Arsenal, il joue pas. Hein, parce qu'en vrai, je pense qu'il peut partir hein, s'il accélère. Hein, vu qu'il est pas par choc contre par choc. Et toujours hein, ce jeu de caméra absolument magnifique. Ne regardez pas trop les enfants en bas âge quand même. Ces deux voitures là. Mais effectivement, c'est un 2v2. L'amour triomphe toujours. Et c'est ce qui est en train de se passer sur ce terrain de Rocket League avec Gimmick et derrière le flanc, le poteau rentrant mettra fin à cette histoire d'amour. Ah, c'est dommage, hein, malheureusement, cette bromance qui se finit entre les deux joueurs, les Space Station, qui ressortent quand même vainqueurs hein, de la Manor. On vient chercher le break sur ce petit 2v2. Il reste un petit peu plus de 2 minutes là, c'est pour qu'on ait le réveil des Version 1 comme on l'a vu dans la game précédente. Avec Tormen face à Ritos, là dans le point de corner, comme le très bon dégagement loin devant, c'est un petit peu livré du côté des Space Station. La petite aviation de Gimmick qui ne donnera rien, comme le très bon man game encore une fois. Voilà, comme qui fait un très bon travail en 1v1, il vient battre ses opposants 1-1. Le retour d'Arsenal au premier poteau, comme qui va lever cette balle, il essaye d'aller bump la défense, mais ce sera écarté par Civicol. Gimmick, est-ce qu'il peut remettre pour ses coéquipiers? Pour le moment, non. C'est défendu par Ritholz sur le backboard. La tentative de pinch avec Cipicol. Mais cette balle qui reste dans le camp des Space Station. Il reste plus qu'une minute 45 et 2 buts d'écart. Hein. Donc les Version 1, ils vont devoir réagir maintenant. Attention à Ritholz. Bon, il a poussé son ballon un petit peu trop loin. Cipicol qui a fait la bonne lecture là sur ce ballon. Et ça va traîner dans le corner bleu. Gimmick à la relance. On se jette. Oui, le jeu en passe. Et là, il y a une situation de 2v1. Finalement, c'est Arsenal qui continue. Et Torvet, il ne sait pas faire. Voir, il a tenu bon, c'est Cipicol encore derrière qui malheureusement ne peut pas cadrer ce tir, est venu frapper le backboard et Tormund peut relancer. On avait une belle opportunité hein, du côté des Space Station pour aller chercher le troisième but, on est passé à côté. La frappe un petit peu dévissée, la Tormund qui va pouvoir relancer face à Cipicol, c'est bien bloqué par Space Station Gimmick pour pousser loin devant. Est-ce qu'on aura un joueur bleu? Ce sera Ritholz le premier dans les airs pour écarter le danger. Cette balle qui est parfaitement droite pour Gimmick, sous le rebond qui vient tromper la gouttière inférieure qui a eu raison de la lecture de l'attaquant. Comme qui ne peut pas intervenir, il vient quand même chercher une très belle démolition. Mais Ritholz, c'est le premier sur cette balle. Torment au contre, attention à ce renvoi avec le point de corner Arsenal qui va la drop dans l'axe, bien levé par Gimmick. Comme qui décolle, mais il se prend de vitesse par Cipicol. Est-ce qu'on a quelqu'un Arsenal qui va passer à côté du ballon? On attend un joueur orange, là c'est Cipicol. Oh, le premier poteau qui est tenté, mais Gimmick était bien là. Ouais, et puis il me semble que cette frappe n'était pas cadrée, hein. elle est revenue poteau. Mais bon, peu importe, ça fait 2-0 pour des Space Station qui pour le moment sont en train de tenir. Ils ont voilà la sécurité des 2 buts d'écart, 20 secondes, le timer qui s'écoule tout doucement en leur faveur. Normalement, ça devrait être bon. Attention quand même à cette dernière offensive ici. Peut-être dernière offensive, la frappe et Cipicol qui a repoussé. Sinon, on aurait eu droit ou alors peut-être. Voilà. Maintenant, 4 secondes, le kick-off goal. Ah, c'est magnifique, Gimmick qui vient réduire l'écart au score. Arsenal qui est passé complètement à côté de la trajectoire de ce ballon. Est-ce que ce serait pas le meilleur alors peut-être que tu n'aies jamais dit Fury? Le meilleur non. Mais il était quand même. Il était succulent, alors peut-être, mais malheureusement. Alors peut-être cette balle qui pour le moment. Je vais arrêter de faire des mais et des peut-être parce que c'est terrible ce qui se passe depuis tout à l'heure. Tormund qui va essayer de maintenir ce ballon en vie avec comme derrière, c'est très compliqué, Gimmick il faut pas se rater et il est toujours en vie ce ballon, il est plaqué au sol, enfin, et les Space Station s'offrent 2 balles de match. Ouais, on les a vus, petit regain d'énergie hein, du côté des Space Station. Ils ont pu imposer leur rythme un petit peu moins subir du côté des Version 1. Même si la défense de l'équipe bleue était pas mal en place. Hein. On a eu les Space Station qui encore dominaient les débats sur le terrain. Mais on a plutôt bien tenu le coup à part les petites fulgurances de Ritholz. Non, voilà, les Space Station, comme on les attend finalement, pas véritablement inquiétés par l'équipe de Version 1. Cette fois-ci... Bon, il y a ce but, hein, c'est vrai, dans les ultimes instants, voilà, en Luan, mais globalement, tout le long du temps réglementaire, ils ont été mis en sécurité par ces 2 buts d'écart, ils ont maîtrisé dans l'ensemble, et si ça continue comme ça, je pense qu'on devrait partir sur un 3-1, mais on l'a vu tout à l'heure, on n'est pas à l'abri hein, d'une contre-attaque des Version 1, ils font une très bonne défense également.
À voir, mais en tout cas, moi, si j'étais les Space Station, je préférerais conclure là, parce que sinon, s'il va en Game 5, ça peut être très compliqué. Ouais, on a vu ce que t'as donné hein, sur la durée, sur une game qui s'éternise un petit peu trop. Ils ont concédé la première manche de leur soirée pour l'instant. Allez, Gimmick, là, qui essaie de mettre du danger directement après l'engagement. Mais c'est renvoyé le main devant par Cipico, l'Arsenal, qui va avoir le temps d'intervenir sur cette balle. Comme l'intervention sur le backboard pour écarter le danger. C'est repris par Ritols au contre face à Torment. Attention, Torment qui est directement encadré. Cipico qui viendra trouver le chemin du filet après la très belle démolition de Ritols. Ouais, les Space Station qui restent, j'ai envie de dire, dans leurs habitudes, avec très régulièrement dans cette série ce but hein, très très tôt, dans les 10, 15, 20 premières secondes de jeu. Ils l'ont fait à plusieurs reprises et ça leur permet bien évidemment déjà de partir avec un avantage énorme. Ils n'ont pas à faire la course derrière. Ritols qui va partir, c'est bien fait. Cette touche de balle pour Cipico peut-être, l'intervention de Com et Arsenal qui va temporiser, on le voit. Il part dans le corner, il va aller défendre le backboard et c'est lui ici qui vient défier dans les airs Com. Si ce ballon va rester devant la cage orange et permettre à Com et au Version 1 de revenir à un partout. Très très bon travail de Com, hein. Encore une fois le challenge face Arsenal est parfait, le double commit des Space Station aide pas mal aussi dans la réalisation de cette action, mais on voit encore l'adversité des Version 1 qui n'est pas éteinte, on revient à égalité, 4 minutes 24 restantes dans cette game qui peut être décisive si les Space Station venaient à s'imposer. Torment pour drop cette balle sur Gimmick, Arsenal. La bonne lecture dans la gouttière inférieure, elle était compliquée, Com qui a beaucoup de champ, le air drag, Cipicole qui ne peut pas toucher ce ballon, il va intervenir depuis le backboard pour dégager. Gimmick là qui essaie de maintenir cette balle dans le point de corner, mais Arsenal va pouvoir le dégager. Le petit flip reset qui est obtenu, le contre sur Torment, attention à cette balle qui est devant les buts orange, on va s'en sortir avec ses picoles. Et le long shot qui n'est pas cadré, l'intervention d'Arsenal qui est bloqué par Gimmick, ses picoles, la double tap, il n'a plus de boost. Et attention à ces frappes là, ils ont bien réussi à tenir quand même pour le moment les Version 1 parce que... Il y avait plusieurs ballons assez délicats emmenés par les Space Station, mais il y a toujours un partout, Ritols le redirect, ça suit derrière, mais il y a toujours un joueur bleu pour venir dévier ce ballon. Cipicole, est-ce qu'il peut aller chercher la double tap? Cette fois-ci, c'est comme, c'est une démonstration en défense, une défense d'urgence, hein, j'ai envie de dire, puisqu'à chaque fois, ils sont à rien de craquer. Il y a toujours un joueur qui peut faire la différence sur la ligne, comme est-ce qu'il y arrivera encore? Il repousse ce ballon, Torment qui va partir, il a été gêné par son coéquipier. Peut-être une troisième tentative côté orange avec Cipicole qui est parti, le tir! Et Com qui se jette à nouveau. Quel sang-froid de la part de Com dans les phases défensives. C'est toujours lui qui est là dans les prises de duel. Il se fait jamais fake par soit des flip reset, soit des fakes de contrôle de balle. Il est très constant hein, comme, défensivement. Hein. Franchement, c'est hallucinant de la part du nouveau venu là dans la composition. En tout cas, ça fonctionne bien du côté des Version 1. On les voit là dans cette phase de pression. Pour une fois en attaque dans cette game, Torment qui va aller chercher un centre, mais les Space Station sont aussi présents défensivement. Com qui va maintenir cette balle au milieu du terrain, Ritols qui va la mettre sur le backboard, attention la redirige. Oh là là, quel tir, il se jette depuis le backboard des adversaires pour pousser cette balle au fond. Ouais, quel tir, et on en revient toujours à cette qualité de frappe. Oh. Ils sont capables, et c'est vrai qu'ils l'ont pas forcément démontré à chaque fois dans cette série, mais ils sont capables d'aller chercher ces tirs, voilà, ces redirect backboard, et de faire très mal là où on ne les attend pas toujours, les Space Station, mais attention, toujours pareil, il reste beaucoup de temps avec Com qui a essayé d'y aller tout seul, c'était bien tenté, mais la défense en place des Space Station qui a pu tenir, c'est Picole avec Ritols, la déviation, et là il me semble que c'est open, le pire poteau d'Europe, de Nord-Amérique du coup, et attention maintenant à Torment, la contre-attaque derrière, c'est terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux actions qu'on vient de voir là, elles ont clairement pas de sens. Arsenal qui a dû esquiver un bump. Ok, il commence à y avoir des choses qui s'expliquent. La très belle réaction de la part de Version 1, on a mis de la pression. Et le sort qui sourit hein, à l'équipe bleue pour l'instant. Le kick-off qui est remporté par Com. On va directement essayer d'aller chercher l'avantage au score. Le petit pinch qui sera un petit peu trop loin. Malheureusement, c'est renvoyé loin devant par Cipicole. Attention à Ritots qui a du champ. Il va pouvoir la mettre sur le backboard. Mais Torment est parfaitement positionné pour défendre. Allez, Arsenal, il a gagné un premier duel. Il ne remporte pas le second. Et c'est Gimmick avec très peu de boost qui passe un premier joueur. Peut-être un second. Non, c'est compliqué face à Ritols. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de boost, hein, que ce soit côté bleu ou côté orange dans ce corner. Attention quand même à cette balle qui va revenir. C'est Pico qui s'est jeté dans la lucarne. C'était pas cadré. Et heureusement qu'il n'y avait personne hein, côté bleu au point de pénalty parce que ça aurait pu faire très très mal. Com qui a poussé. Oui, Ritols de l'autre côté. Gimmick, la déviation. Attention, c'est directement sur un adversaire avec Arsenal qui va partir depuis le mur. Oh, le musty s'est tenté. Ça revient dans l'axe avec Cipico.
Riddle et comme une fois de plus qui surgit bien. Attention, la Rita aussi là du champ. L'intervention sur le ceiling, malheureusement le ballon qui n'avait pas été levé assez haut. Gimmick pour la pousser, c'est bien bloqué par Sipi Cole. Il va se jeter face à Com où il a manqué sa touche de balle malheureusement. Com qui vient perdre son challenge face à Riddles. Arsenal à la manœuvre là sur le backboard qui essaie de défendre. Tant bien que pas de gimmick pour pousser. Sipi Cole qui va repousser cette balle devant. Le mauvais sens de rotation des Space Station qui leur coûte un but dans les dernières minutes de jeu. Ouais, là on est vraiment sur la fameuse erreur de rotation. Aucun joueur à contresens hein, pour venir tout simplement en opposition par rapport à la balle. Et ce sont bien les Version 1 à 1 minute 10 de la fin qui sont en train de repasser devant au tableau d'affichage, le tableau des scores. Et ils vont tenir maintenant. En plus, ils sont illustrés quand même hein, dans cette série pour le moment pour leur bonne défense sur la ligne. Ça va être extrêmement compliqué pour les Space Station. Attention quand même à Gimmick, il s'est un petit peu raté, ça pourrait coûter cher. Et c'est toujours le même, le sauveur de cette équipe Com qui est revenu sur le ballon. Ouais, le challenge encore une fois hein, qui est remporté par le défenseur des Version 1. Là c'est Tormen qui doit intervenir, on va pousser ce ballon loin devant dans les roues d'Arsenal. Riddles, oh, on a tenté le ceiling pitch, on a quand même réussi à obtenir une bonne balle. Ça revient dans l'axe, attention, Riddles qui vient gagner un challenge intéressant, on se jette. Gimmick est obligé d'intervenir pour écarter le danger. Il n'a pas de boost, le petit wave dash mais il s'est instantanément punir par Arsenal. La balle qui rebondit sur le backboard là plutôt fort pour revenir au milieu du terrain. C'est repris par Com. Est-ce qu'on aura un joueur bleu à la réception? Arsenal qui vient lober le deuxième défenseur. Com qui va la pousser sur le backboard. Com qui a encore un petit peu de boost. Oh, le très bon drop, mais c'est directement dans les roues de Sipi Cole. Allez, gimmick sur le backboard. 10 secondes restantes maintenant. Il va falloir pousser ou sinon les Space Station vont aller en Game 5 face à cette équipe de Version 1 qu'on n'attendait pas forcément aussi fort, qu'on n'attendait pas avec autant de hargne contre cette équipe des Space Station. Et c'est bien le cas, Game 5. Quelle adversité de la part de Version 1, quelle solidité. La défense a été mise à rude épreuve hein. durant cette partie. Ils ont clairement tenu le coup. Les Space Station qui viennent, qui laissent passer la première balle de match. Comme tu le disais, on part en Game 5. Comment ça se passe dans la tête des Space Station? L'assurance n'est plus là. Eh ouais, malheureusement c'est compliqué hein, et surtout après certaines déclarations hein, dans la twittosphère, Riddles notamment hein, qui a dit que il y a quelque temps sur Twitter que BDS aurait du mal à rivaliser dans le top 4 nord-américain. Et il se fait surprendre lui et ses coéquipiers par le top 16. Par le top 16. Ah. Ça voudrait dire que BDS n'a pas le niveau top 16 NA. Je ne comprends plus rien finalement, Razor. Vous voyez, même ma mèche est repassée devant mon front. Même elle n'y comprend plus rien. Et en tout cas, c'est très très compliqué. Quand on parle, il faut assumer. Et c'est maintenant. Ouais, là, c'est la game qu'ils vont devoir assumer. Les Space Station et Torment, qui a beaucoup de champ, mais il n'a pas beaucoup de boost. C'est bloqué par Arsenal dans les airs. Gimmick au compte face à Sipi Cole. Le ballon qui est écarté sur le côté gauche du terrain. Com. Choisit la sécurité. On va laisser Gimmick retourner sur ce ballon. Attention au long dégagement d'Arsenal. Riddles qui sera le premier. Cette balle qui va être sur le backboard. Oh, c'est parfaitement anticipé par Riddles. Mais comme encore une fois, le rempart des Version 1 est présent. Ouais, comme qui fait un très très gros match. Une très très grosse série pour le moment. Et si les Version 1 en sont là dans cette Game 5, c'est en grande partie grâce à lui. Bien évidemment, les trois joueurs, hein, on gagne à 3 hein, sur Rocket League, mais il fait une très très belle prestation. Et là, c'est au bon. Et ça permet aux Version 1 d'ouvrir le score dans cette game décisive face aux Space Station. Ouais, Gimmick là, qui vient faire un très bon service comme pour aller trouver Torment. Où est la défense des Space Station, les deux derniers joueurs qui sont aux abonnés absents sur cette relance. Et ça permet à Torment de donner l'avantage aux Version 1 dans les 4 minutes qu'il reste de cette game. Les Version 1 qui reviennent de loin depuis le début de ce BO. Encore une fois, parfaitement emmené par Com. Là, le tentative de dégagement, ce sera Gimmick qui contrôle cette balle. Non, Com finalement qui va la pousser. Ouais, comme est-ce qu'il peut continuer? Il va mettre de la pression. Ouais, ça a libéré un petit peu d'espace à Gimmick qui a pu partir sur cette balle. Et c'était très bien négocié derrière. Il y avait peu de boost. Gimmick, il a quand même amené un ballon extrêmement dangereux devant la cage des Space Station. Torment, oui, c'est bien fait. La touche dans l'axe. Sipi Cole qui va partir dans les airs. La conduite de balle pour aller chercher Riddles. Et c'est bloqué. Bien évidemment, on surgit hein, sur cette équipe de Space Station. On vient un petit peu casser les lignes du côté de Version 1. Il ne faut absolument pas les laisser jouer. Gimmick dans les airs. Ouais, il va repartir encore. De l'autre côté, il fait sa rotation, on le voit, hein, tandis que Com, lui, amène du danger, et c'est du moins d'amener du danger sur cette cage orange, mais ils ont la possession du ballon des Version 1, la Razor.
Ouais, Gimmick a tenté de créer quelque chose, mais c'est repris par Cipicol à la réception. Ouh là 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 là. Cipicol, oh, on a cassé quelques reins là de Torment, comme qui se jette. Attention à cette balle, heureusement que Gimmick était bien vigilant. Torment dans le bon sens de rotation qui va pouvoir prolonger ce ballon. Gimmick lui aussi viendra effacer Cipicol qui s'était jeté. Ritoz qui va la mettre sur le baguette. Attention, on a vu Cipicol qui était présent encore une fois sur le ceiling. La petite déviation pour mettre cette balle dans l'axe, mais c'est bien défendu par Version One. Torment qui va repousser ce ballon. Comme pour prolonger, attention, ça va centrer avec le point de corner dans les roues directement d'Arsenal qui va pouvoir intervenir depuis le mur. Le petit contrôle s'est bloqué par Torment. Cipicol qui va pousser cette balle loin devant. Ce sera pas loin d'être cadré. Yacom qui est obligé d'intervenir pour écarter le danger. Mais Torment est là pour offrir de l'air à son équipe. Il ne faiblit jamais, hein, comme pour le moment. Son équipe peut compter sur lui à chaque instant. Arsenal, les facéties aériennes, ça ne mène pas à grand chose. Gimmick qui vient presque remporter ce duel. On peut le dire quand même remporter, puisque derrière, c'est Com qui peut aller se saisir de ce ballon. Et il est toujours là, Gimmick, Com qui va venir. Le petit contrôle, malheureusement, il est gêné, il n'a pas de ressources. Il va opter pour le repli défensif et il essaie de gêner Cipicol qui est en train de faire une très bonne conduite de balle. Oh, la passe au second poteau et la parade. Attention, les Space Station, ils vont moins souvent que le game d'avant en attaque, hein, devant cette cage de Version 1, mais ils sont extrêmement dangereux à chaque fois. Et Gimmick, il faut faire un travail, voilà, de relance. C'est effectué par le joueur des Version 1 qui cherchait le petit filet, il ne le trouvera pas. Ouais, ça a été rendu à la défense, très bon contre de Torment. Ritoles qui va intervenir, c'est bien dévié par Com, parfaitement repris par Cipicol. Gimmick qui se fait passer dans les airs, malheureusement. Torment tiendra bon en dernier homme sur la ligne. Arsenal qui va pousser ce ballon. Oh, Gimmick qui s'est jeté là pour un contre où il n'y avait personne. Le petit 45. C'est bien défendu par Com, encore une fois solide. Et Ritoles qui va loger cette balle juste sous la barre. On voit là briller Ritoles qu'on ne voyait plus, hein, dans les phases offensives depuis quelques temps. Et là, il vient parfaitement s'illustrer avec cette belle frappe. Ouais, effectivement, et ça permet au Space Station de revenir à égalité, à un partout, à 1 minute 25 de la fin. Mais attention, les Version 1, ils sont bien dans ce match, je trouve, globalement. Donc, à mon avis, ils peuvent encore aller inquiéter cette équipe orange des Space Station. Et peut-être ici avec Torment, qui est bloqué dans le milieu de terrain par Cipicol. Comme de l'autre côté, c'est bien fait. Il va prendre en plus un boost intéressant qui va un petit peu... venir réduire les possibilités des Space Station. Allez, cette balle de l'autre côté du terrain. Est-ce qu'on aura du joueur bleu à la réception? Oui, Com, une fois de plus, qui vient faire la différence. Ritoles, attention, il s'est un petit peu raté sur le backboard. Puis la frappe de Com, c'est au-dessus, mais il n'y a personne pour défendre ce backboard pour le moment. Les Space Station qui sont dans la difficulté. On arrive, on tient défensivement, mais c'est tant bien que mal, j'ai l'impression. Torment qui laisse tomber un petit peu la pression pour aller s'emparer d'un boost. Cipicol qui peut dégager cette balle. Com qui va la mettre dans l'axe. Gimmick viendra remporter un vis-à-vis intéressant. Ritoles qui prend son temps sur le mur. Se fait subtiliser le boost du coup. Le contre de Torment, c'est remporté par Ritoles. Cipicol pour prolonger cette balle. Le challenge qui est remporté par l'attaquant de Space Station. L'intervention de Gimmick pour pousser cette balle sur le côté gauche du terrain. Il va pouvoir prolonger le air drag. Ça va manquer de hauteur malheureusement. Attention, on avait quand même Com qui était là pour venir mettre du danger. Le petit doink peut-être fake, de la fake, part fake. De Com. Oh, on a pas trouvé le chemin de filet du côté de Version 1. Je l'avais vu venir là, ce fake, c'était bien exécuté, mais ils n'ont pas été naïfs là dans la défense des Space Station. Et attention, cette dernière attaque peut-être avec Torment, le champagne, Gimmick, oh, il a tenté le mind game. Oh, mais on n'a pas été naïfs du côté de Cipicol et les Version 1 qui sont tout près depuis tout à l'heure d'aller chercher ce but qui leur aurait donné certainement la victoire dans la fin du temps réglementaire. Et non, nous allons bien en overtime, tout va se jouer sur ce but en or entre les Space Station et les Version 1. Un seul but pour départager ces deux compositions, un seul but qui les différenciera dans cette game avec Gimmick. Ici pour prolonger le très bon fait pour venir face à un premier défenseur. Belle réaction défensive de Space Station. Torment qui va prolonger dans le point de corner, il n'a pas beaucoup de boost, on essaie de défendre tant bien que mal. Gimmick pour prolonger, le manque de ressources là chez les joueurs de Version 1. Ce serait compliqué de mettre une phase de pression, mais il y a Com quand même pour remettre cette balle. Attention à Cipicol qui a beaucoup de chance, on en vient à Torment qui n'a pas beaucoup de boost. Heureusement que Gimmick est là pour tenir la baraque. Ouais, ça tient, Ritoles, attention. Il me semblait qu'il était quasiment premier dans les airs, mais la très très bonne intervention de Gimmick. Torment qui repart au sol, il vient chercher un premier duel. Oh, est-ce que c'est cadré? C'est juste à côté. La frayeur dans le camp orange là sur ce 50-50 qui aurait pu être très défavorable pour les Space Station, mais ils sont toujours en vie pour le moment, ils tiennent, tandis qu'on vient de franchir à peine la première minute d'overtime. Torment, attention en difficulté, il arrive à toucher cette balle, il lui faut absolument ce boost, il ne l'obtiendra pas, c'est son adversaire Ritoles qui va l'obtenir. La frappe peut-être ici, comme qui est passé à côté, c'est un petit peu brouillon. Ils arrivent finalement à repousser cette balle, les Version 1.
Arsenal qui va devoir retourner sur cette balle, mais c'est bien contré par Gimmick. Ça va drop dans l'axe. Sipiko pour prolonger. Et malheureusement, la connexion entre les deux défenseurs qui ne va pas s'opérer. Sipiko son dernier homme où on a tenté d'aller gêner la relance des Space Station. Arsenal qui va contrôler ce ballon. Il va le pousser. Oh, attention à ce challenge. Rito. Oh, la lucarne. C'est bien les Merchenouines qui viennent s'imposer contre le champion régional en titre. Oh, ce tir. Oh, quand il a mis la Liga, il a fait incroyable. Oh, mais il a jamais mis autant de conviction dans quelque chose dans sa vie, Gimmick. C'est fou ce qu'il vient de faire. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, mais quelle frappe. Et les Version One, dans une série où on voyait les Space Station bien, puis surpris, et finalement, dans cette dernière game, oui, ils auront été bien surpris.